très bien, il n'y a personne. Donc là, j'étais à fond. Hein. Voilà, c'est pour te montrer, en fait, Thibaut est venu me voir parce que son scooter n'avance pas. Donc il roule à 30, 35, à fond. Ok. Donc la question est, depuis quand est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que ça marche avant? Il m'a répondu oui. Ok. Donc la réponse est depuis qu'il a mis son cornet. Donc on va enlever le cornet. Ah, c'est beau le petit rayon de soleil là. Je vais enlever le cornet. Première chose à faire, tac. Ok, et voir ce qui se passe. Ah ouais, ça a l'air mieux, tu vois déjà. Ouais, donc c'est ça, en fait. Son filtre à air fait l'inverse, enfin il enrichit, tu vois. Donc en échappement, enfin en admission libre, il reprend, tu vois, du régime. Tu vois, tout à l'heure je dépassais pas les 30. Alors, comment tu ouvres ça? Une clé. Oh, c'est beau ça. Regarde ce qui est écrit. Adrénaline. Oh là là, c'est un appel, tu vois. Ah, c'est un signe. Allez, regarde. C'est beau, non? Alors, attends, parce que là, le démontage, j'ai pas l'impression que ça s'enlève comme ça, moi. Si, bah, je te crois. Hein. Voilà, tiens, je te crois, je te l'ai dit que je te croyais. Bon, alors, on va poser ça un peu plus loin. Tiens, là-haut. Ensuite, ah, ben voilà, il y a un trou, là, on peut voir. Ok, donc là, je vais enlever la bougie. Accès. L'antiparasite, la bougie, ben, il faut une clé à pipe. Vas-y, hein, cool, hein. Hein, tu peux bouger, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, attends, celle-là, elle va pas. Il va falloir une clé à pipe. Tu n'as pas de clé à pipe, toi. De démon de bougie. Tu n'as pas de démon de bougie. Mais tu sais que c'est indispensable sur un scooter. Parce que tu crames une bougie, tu fais comment? Donc là, on va commencer par nettoyer un petit peu pour voir l'aspect du truc. Donc sa bougie, en fait, elle est pas dégueulasse, dégueulasse. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste un petit réglage de la vis de richesse. Alors, je vais regarder sur un autre carbu, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe. Je vais t'avoir, toi, je vais t'avoir. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça veut pas? Voilà. Normalement, il doit venir, là, le carbu. Mais qui vient? Allez, viens là, toi. Voilà. Ok, bon. Ça. Oh là là, comme c'est dégueulasse. Il n'y avait pas un garde-boue d'origine, non? À l'arrière? Bon, ben voilà. On a revu la couleur initiale du carburateur. Donc j'ai quand même mis un petit coup de nettoyage, même si ça va pas rester longtemps, puisque en fait il est pas assez protégé, quoi. Donc là, j'ai vu que la vis de richesse, il semblerait que ce soit là. Donc je vais lui régler un petit coup sa vis là, voir ce que ça donne. Ça devrait pas mal résoudre le problème. Je vais bientôt passer à la télé. Là, tu seras obligé de la regarder, la vidéo, hein, je te préviens. Et mettre des likes, et puis... hein. Donc, tu vas voir ce que le magicien Patrick a fait. J'ai réglé le carbu. Hein. Et il demande encore un peu à traîner, mais ça a l'air d'aller mieux. Il est encore un peu grand en bas, mais... En fait, c'est un petit carbu et il n'y a pas de réglage. Donc, j'ai dû modifier les choses.
voiture derrière. Donc tu vois, il reste encore un peu en bas, tu vois. Il a un peu de mal encore en bas, mais je peux encore lui gratter un truc. Mais après, on est passé de 30 à 70, c'est bon. Puis on va avoir la tête qui fait en revenant. Oh là. Donc bien entendu, je lui ai juste appauvri sa carburation. Parce que vu qu'il avait mis un filtre, ça avait enrichi. Et du coup, son scooter roulait à 30, comme tu l'as vu. Et j'ai touché en aucun cas au reste. Hein. Moi après, c'est juste un réglage carbu, basta quoi. Donc le carburateur n'était pas réglable justement. Donc je lui ai mis une petite de mes astuces pour pas toucher au gicleur principal puisqu'il est bien. Et pour pas bricoler le truc quoi. Donc je lui ai changé quelque chose pour qu'il marche quoi. Voilà. Je pense que le résultat est bien. J'espère qu'il va pas partir trop longtemps. C'est juste un essai. Hein. Ce matin, il y avait une averse, puis tu vois, là, il fait... Ça va, c'est agréable. Juste un petit peu. Ouais, bah, il va y avoir un peu de soucis.